Nous ne sommes qu'en avril, mais déjà les élèves de terminale préparent activement les épreuves du baccalauréat, notamment celles créées à l'occasion de cette QV 2021. En premier lieu, le grand oral, 20 minutes d'échange avec un jury sur deux sujets issus des spécialités choisies par les élèves. Tout cela, coefficient 10, pas forcément de quoi les rassurer. L'éloquence, malheureusement, en dehors des exposés qu'on fait en cours, on n'apprend pas grand-chose en fait au lycée. Même au collège. Lorsque le grand oral a été annoncé, c'est sûr que ça paraissait quelque chose d'insurmontable. Mais au fil des aides qu'on a eues de nos professeurs et d'ateliers comme celui d'aujourd'hui par exemple, on appréhende beaucoup moins. Car ici, au lycée Henri Nominé, à Sarreguemines, des ateliers ont été mis en place pour les élèves de terminale avec la participation de Margot Gauer, bien connue pour ses activités théâtrales. Une coopération bien vue des professeurs pour ce qu'elle apporte. Je pense qu'elle rapporte énormément au niveau de la technique et puis je pense qu'elle est aussi d'une grande aide sur la façon de se tenir. Son regard sur les postures est aussi très très intéressant. La manière dont on va rentrer, on va se placer en face des jurys, la manière dont on va utiliser les bras, c'est très très important. Et ça marche, les élèves le disent d'eux-mêmes en interview, un exercice pourtant pas si simple. Je pense que je serais déjà pas aussi confiant à vous parler aujourd'hui, un peu plus tremblant peut-être avec une posture qui le montrerait, mais également j'aurais beaucoup plus de mal à trouver mes mots, alors qu'aujourd'hui j'arrive à me tenir devant vous pour pouvoir répondre à vos questions sans tituber ni trébucher sur certains mots. C'est l'un des objectifs d'ailleurs de ces ateliers, qu'ils ne préparent pas uniquement le grand oral, mais aussi leur vie d'adulte avec ses futurs concours ou entretiens d'embauche.